Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie de Dragon's Dogma. Et si vous suivez cette aventure jusque là, c'est que vous êtes plus fou que je ne le croyais. Bien, nous sommes sortis de cachot et nous avons été convoqués par Madame la Duchesse dans les jardins. Donc nous allons voir ce qu'il en retourne. Apparemment, la servante qui nous a délivré ce message nous a dit « Oh oh oh, vous savez, ça ferait jaser si on vous découvrirait en train de causer à Madame la Duchesse. » Du coup, ben, on va aller la voir. On va voir si ça fait tant jaser que ça. Nous sommes dans les jardins de la Duchesse. Ah oui, mais c'était à la tombée de la nuit. Le problème de la tombée de la nuit, c'est que s'il y a des patrouilles et qu'on se fait voir, on est jeté comme un malpropre hors du château. C'est un souci. Ouais. Alors racontons des anecdotes à nouveau. Faut savoir que je tourne cet épisode le lendemain de l'épisode d'avant. Donc du coup, je ne suis plus dans le même état d'esprit. Je ne sais pas ce qui m'avait pris l'autre jour, mais enfin bon, c'est un jour où on a le temps de parler de faire des choses, même si j'ai du mal à appuyer sur mes petits boutons et à vous communiquer des informations en même temps, c'est compliqué. Pourtant, en même temps, je pourrais ne pas regarder l'écran et quand même réussir à me déplacer, comme ceci. Mais non, je suis trop concentré, c'est ma nature. Qui puis-je? Je dirais pas grand-chose, mis à part le fait que c'est un peu rebutant et qu'il me faudrait réussir à tout faire en même temps. Mais j'y arrive pas. C'est un problème. Ouais. Je ne me bonifie pas avec le temps. Je ne suis pas comme le vin rouge. C'est un souci. Alors on va dormir jusqu'au soir du coup, puisqu'il faut aller au château du soir. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai du mal à me repérer, il a du mal à se repérer, mais il y parvient quand même, c'est incroyable, c'est vraiment Jackson le plus fort. Jackson, c'est le plus fort et le plus incroyable de tous. Palam pam pam, palam pam pam. Oui, je n'ai pas une voix de ténor. Désolé. On peut rentrer? Oui, ça passe toujours. Il va falloir être discret. C'est un souci. J'ai pas envie qu'ils mettent au cachot, j'ai envie qu'ils me parlent. Que le père soit loué, vous êtes venus, insurgés. Excusez-moi, sir, ce ne sont que les radotages d'une servante faisant une course étrange pour sa maîtresse. Seulement qu'une telle requête venant de madame est une chose très rare. C'est même la première fois depuis que je suis à son service. J'ose croire que vous saisissez qu'il vous faudra agir avec prudence. Est-il inutile de vous rappeler que madame est une femme mariée? Oui, même une innocente conversation susciterait le doute si elle venait à être découverte. Faites montre de la plus grande prudence, insurgé. Nul ne doit savoir que vous avez rencontré madame dans ses appartements. Les liaisons dangereuses, escapades nocturnes. Attendez, mais je croyais qu'il fallait que je la rencontre dans la... Faites attention à ne pas vous faire voir. Ah, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ça me fait penser à une mission de discrétion dans Zelda Ocarina of Time. Mais nous en reparlerons un autre jour. Mais je pense que c'est plus simple dans Ocarina of Time, quoi qu'il arrive. Donc nous en sommes à les liaisons dangereuses. Donc il va pas falloir se faire repérer. Sinon on sera jeté au cachot. Mais aussi incroyable soit-il, nous allons réussir. Ceci, je l'espère. Du moins. Oula.
Ouh là là. Passe en discret. Personne ne doit me voir. Je dis bien personne. Allez, on court. Mission accomplie. Nous sommes dans la chambre de la duchesse. Mission accomplie. Voulez-nous voir, duchesse? Oh, mon valeureux guerrier venu à moi. Calme-toi, calme-toi. Vous devez penser que je suis une sorte de catin. Comment vous prouver que mon amour est pur? Mais quoi? Une nuit de réconfort après une journée d'effort, Votre Majesté? Non, vous devez vous cacher. C'est cette fougue qui a terrassé le dragon. Ici, vite! Pénétrer dans sa chambre avec l'impétuosité d'un soldat partant pour la bataille. Et carrément, il est venu là. Il vient jamais, là, il vient. N'ayez crainte, je n'écouterai pas aux portes. C'est n'ayez crainte, hein, mais bon. Je serai juste de garde, Votre Majesté. Uniquement pour votre sécurité, bien entendu. D'accord, donc Claude voulait vraiment me baiser, quoi. Seigneur Edmund, aurais-je eu vent de votre visite, je me serais vêtu plus soigneusement. Non mais c'est dégueulasse, quoi. Majesté, mais que faites-vous? Lenore. Lenore. Oh, mon amour. Mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il a? Pardonne-moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il bave et tout. Majesté, Edmund, que se passe? What? Lenore, pardonne-moi. J'avais tort. Je retire ce que j'ai dit, Lénore. Pardon, pardon. Mais quoi? Mais fais quelque chose, insurgé de merde, reste pas planqué. Lénore! Il a tué? Prendre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Corset de noble dame. Je peux me faire passer pour une femme ou quoi? Non mais ça a posé problème là. On va aller l'empêcher de l'assassiner quand même. Putain, mais il bave et tout, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il a? On l'a drogué ou quoi? Qu'ai-je? Votre grâce, Edmund, je. Ce n'est pas. Cet inconscient a mépris ma gentillesse pour quelque chose de plus. Ah la salope! Il a pénétré dans ma chambre, j'étais si terrifié. Ce roturier doit prendre les conséquences de ses actes. Faites-lui goûter au fouet et au donjon. What? Fest, fête, je sais que tu es là. Vous méprenez, Majesté. Jamais je n'oserais abuser de l'intimité de Sa Majesté pendant qu'il profite de celle de la Duchesse. Je ne tolérerai aucune de tes farces, bouffon. Fais venir les gardes. Saisissez-vous de ce scélérat. Sérieux? Quelle comédienne, celle-là. Je t'ai empêché de te faire tuer. Et voilà comment je suis récompensé. Tiens, tiens, qu'avons-nous là? Un ami de la duchesse qui essaie d'entrer dans ses appartements en douce pour une tasse de thé? Ah. Il doit vraiment être très bon pour que vous veniez jusque chez elle au beau milieu de la nuit.
était peut-être en quête de distraction d'un autre genre, des galipettes avec la femme de sa grâce. Sacrebleu, vous êtes plus résistant qu'on ne pourrait croire. Ah bah oui, hein. Il y a peut-être du vrai dans cette histoire d'insurgé. Parce que tu coûtes et tu pleures. Mais va te faire. What? Mais ah, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, urgence du démon. Là. Qu'ai-je fait? Je ne suis pas digne de vous demander pardon. Je savais que le duc m'aurait exécuté si j'avais agi autrement. C'était pour te sauver les biches, tout ça. Hein. De toute manière, t'aurais pu mourir. Hein. Plus tôt. Fuyez. Le duc est aussi fou que cruel. Je trouverai un moyen de l'apaiser. Ok. S'évader du donjon. Ah bah merci pour cette clé squelette, mais c'est pas bien compliqué de s'évader dans le donjon. Surtout que je les avais déjà, les clés squelettes. C'est ouvert! Comment allez-vous, chevalier pêcheur? Loul. Bah attends, où est-ce qu'il faut que j'aille là? S'évader du donjon. Pourquoi je retournerai ailleurs alors du coup? C'est débile. Attends, mais je n'y comprends rien là. Carte. Carte de la zone, s'il vous plaît. Ah, il faut passer par la porte. Mais j'ai échoué ou pas, la quête? C'est là la question que je me demande. Vous avez été fait prisonnier, Aenor vous a évité JB, mais Sir Jacob ne vous a pas fait de cadeau, enfuyez-vous. Mais j'étais fait prisonnier parce que je voulais pas mourir, enfin la laisser crever quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Mission complétée, affinité au-delà. C'est quoi cette quête? Ouais, franchement, faudra regarder. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Faudra regarder s'il y a un autre moyen de l'achever en fait, cette quête-là. Je ne sais pas. Deux fois qu'on va en prison, là, je commence à en avoir marre. Croyez-le ou non, je commence à avoir un petit peu marre de tout le temps retourner en prison. Vas-y, si je rentre dans le château là. Qu'est-ce qui se passe? On est la nuit là ou pas? On est le jour là. Que je peux revoir la duchesse ou quoi? Enfin, je sais pas, hein, j'essaie de voir. Hein. C'est particulier la quête qu'on a fait. On est d'accord.
J'aimerais bien recoser avec sa grâce qui fait la merde. Bizarre, hein. Étrange. Bon, on va dire que voilà, on a fait la quête, mais j'aimerais bien voir s'il y a une autre fin potentielle. Si la duchesse aurait pu crever ou quelque chose du genre. Bon, faisons une autre quête alors. On va arrêter l'épisode là, on n'a pas fait assez. On va faire la quête de Fournival qui est accusé. On dispose de 4 jours. What? Ah, je savais pas. Attendez, n'allez pas si vite. On dispose de 4 jours seulement. C'est peu. Enfin, c'est peu. C'est pas mal. Mais je crois qu'on a fait passer 2 ou 3 jours déjà. Très vite. L'église. On pouvait pas y rentrer tout à l'heure. Est-ce qu'on peut y rentrer maintenant? Oui. Good. Tu m'en dois une, non? D'accord. Bon, ça c'est bien déjà. Si on a l'homme d'église du coin qui dit c'est un mec sympa. C'est pas mal. Je crois qu'il nous faut 4 noms, c'est ça? On va y arriver quand même. Là, qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, c'est juste Fournival, mais il aura pas grand-chose à nous dire. Il y a quelqu'un en haut, je pense. Non? Rien par ici. Étonnant. Du coup, il serait sur par là, là, sur le côté. Y a rien sur le côté. Non, mais il est forcément dans le dans la baraque. Hein. C'est obligé. Sauf qu'il doit y avoir un putain de bug ou une connerie du genre. Ça m'étonnerait pas. Ça serait pas du tout la première fois que ça nous arrive. Hein, voilà. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. On va aller chercher d'autres preuves ailleurs. Carte. Allez, d'accord, c'est genre cherche dans tout le périmètre. C'est pas que ici en particulier, quoi. Ok. Bah, dans ce périmètre-là, il n'y a pas grand-chose. Peut-être derrière. Peut-être des trucs qu'on peut avoir que de nuit aussi, si c'est possible. Possible. Carte. Bon, ça d'accord. Zoom. Dézoom du coup. On peut pas dézoomer plus. Tu me dis qu'il y a des trucs en extérieur. Ouais. Tu me dis qu'il y a des mecs en intérieur aussi. Région. Ah. Faudrait que j'aille à la colline de Déos. Ok. Tu me dis qu'ici aussi il y a un truc sympa. Ouais, mais j'ai pas de pierre. J'ai une pierre ou j'ai pas de pierre? Ouais, j'ai peut-être des pierres. C'est loin tout ça. C'est loin tout ça. C'est quoi ces quêtes de l'horreur? Si on est limité dans le temps, en 4 jours, ça va être coton. Au château, il y avait apparemment quelqu'un interrogé. Aïe. Il serait peut-être bon temps d'aller voir, mais là, on est totalement parti, pas là où il fallait.
Et après, il y a deux mecs en extérieur qu'il faut aller voir, mais il y en a un, c'est au campement des bandits, donc je sais pas si vous vous rappelez, c'est quand même vachement loin. Et dangereux en plus de ça. Et l'autre, il est au. Vers la colline du héros. Mais peut-être qu'on peut se TP. Peut-être pas. Dans tous les cas, si on peut se TP, il va nous falloir acheter des pierres de téléportation. Ça serait bien quand même. Ça serait bien. Voilà, on peut aller voir Aldous et dire, ouais, voilà, il est coupable. Faites pas chier. Fin de la quête. Ça peut le faire comme ça. D'accord, ok. Ça suffit pas. Bon, écoutez, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. C'est très énervant et très embêtant. Parce que là, il est censé y avoir un mec, mais il y a personne. Ah, bah là, il y a quelqu'un. Parce que vous êtes trop chargé, alors attends. Parce que peut-être que c'est quelque chose d'important, le truc que je peux pas prendre. Donc, on va donner cette difforme à Sana. Mais on va aussi lui donner ce vin bizarre. Ainsi que ces venins d'araignée. Et voilà qui va mieux. C'est juste du chambre. Okidoki. Donc il n'y a rien d'intéressant ici. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. C'est un épisode un peu court, c'est vrai, il est vrai. Mais ça va me permettre de savoir ce qu'il faut faire pour Fournival. Ça serait bien, je m'intéresse à ce qu'il faut faire pour toutes les quêtes d'ailleurs. Parce qu'on perd du temps sinon. On a que 4 jours, j'aimerais bien la réussir celle-ci quand même. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao.